Wesh les chats d'amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 novembre les gars. Et je vous sors une vidéo qui date du début du mois d'octobre. Faut savoir que du coup j'ai refait mon introduction. Mais j'ai gardé le même mood en mode on sort la caméra dès le matin au réveil les gars. Ça fait plus d'un mois que je dois vous poster ce vlog de nos vacances à Cannes. Je vous fais cette petite introduction pour vous dire que bien évidemment cette vidéo date de début octobre. Donc avant ce Confifi 2.0, mais que je me suis dit que ça pouvait être cool de vous poster ce petit vlog en mode petit moment d'évasion en ce dimanche matin. Donc vous allez pouvoir suivre toutes nos aventures avec Monsieur Bibao pendant nos vacances à Cannes avec toute notre petite bande. Let's go vidéo! Les chapitres, quand on part en vacances sans elle, elle passe littéralement son temps dans la valise. Oh, tu penses que tu fais partie du voyage? Hein, madame? Oh, papa, maman, partez pas sans moi. Attention, attaque de string! Oh non. Oh ma bébé. Oh non mais elle est trop mignonne. On peut pas la laisser là. Tu chats. Ça y est les chats, on a pris la route direction Nice. Il fait un temps absolument dégueulasse dans notre petit sud-ouest. Là ça fait 15 jours qu'il pleut non-stop. Ça va faire grave du bien de partir un peu au soleil. Alors on espère les gars que dans votre petite région, la Nice, Cannes et tout, parce que hein, ça se la pète tout le temps, n'est-ce pas Roxane, à dire oui, chez nous c'est le vrai sud, pas chez vous, etc. Donc il y a intérêt les gars qu'on ait beau temps, parce que franchement on vient chercher le soleil. Fuck you. Allez Biba, où tu la connais par cœur. Je suis tombée trop haut. Allez trop loin. Ouais, t'es un peu montée trop haut sur les notes, ouais. Allez. Allez Bibou, tu la connais. Je pense les gars que j'ai plus besoin de vous expliquer pourquoi il fait ce temps dans le sud. Ça fait 10 minutes que Bibou donne tout niveau chanson. Admire ses biceps. Quand se compresse. Bien arrivé à Nice, Côte d'Azur les gars, je vois pas trop ce que ce temps a de la Côte d'Azur. À tous les sudistes côté Nice, Cannes, machin, qui arrêtent pas de rabâcher que c'est chez eux le vrai sud, les gars, va falloir m'expliquer, moi je suis venue chercher le soleil ici. C'est censé être notre semaine de vacances et il fait un temps mais dégueulasse. Juju, viens voir ta chambre. Viens voir ta chambre. Viens voir ta chambre, Juju, viens voir. Quoi ma chambre? Viens voir ta chambre. Où est-ce que tu m'emmènes? Attention. C'est quoi ma chambre? Attention, tu dors. Allez. Bonne nuit. Wow. C'est pas drôle. Je veux pas dormir dans les toilettes. Tu te tais. Mais t'es sérieux? Mais tu me parles bien? Me tape pas. Me tape pas. Ah, mais arrête, genre je te tape. C'est trop duc. Au secours. Les chats, bien arrivés à Nice dans notre petit hôtel d'amour où on va passer la semaine. Trop contente d'être arrivée, je vais vous faire visiter la chambre avant qu'on y mette un bordel sans nom. Parce que littéralement Thibaut et moi, à chaque fois qu'on arrive quelque part et qu'on s'installe en à peine une demi-heure, c'est une catastrophe. On se dirige tout de suite à gauche sur la salle de bain. Regardez-moi ça, bientôt on va voir ma petite tête coucou. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la salle de bain est quand même assez ouf. Alors ça les chats, j'ai jamais su. Est-ce que c'est fait pour se laver les pieds ou le cul? Genre dites-moi dans les commentaires parce que franchement je sais pas. On a la petite ou plutôt la grande douche je pense. On est sur une douche pas trop mal. Ok, ok. Et ici la petite baignoire, voilà, pour faire des petits bains, des familles tranquillou. Même si je vous avoue que je suis pas trop team bain perso, je suis plus team douche. Ensuite nous avons visiblement la chambre dans laquelle je vais dormir, aka les toilettes. Alors j'avoue que j'y passe du temps mais de là à dormir dedans, on va se calmer. Et on arrive sur la suite parentale les gars, avec un petit bibou. Oh t'as un petit cul toi. Putain ouais. Mais t'as un boule bibou. Ouais, je m'entraîne. Eh en vrai, oh là là, vas-y faire moi ça. It's a wrap. Oh putain j'en veux plus, magnifique.
On est en direct sur Fun Radio. Exactement, Fun Radio. Party Dance Floor Tonight. T'as posté quoi comme photo ce soir? Mais rien encore, là je suis en pleine réflexion de texte que j'ai envie de mettre. Et d'habitude l'inspiration vient et là l'inspiration vient pas. Et puis c'est pas comme si ça aidait quoi. Regarde, je t'ai installé un petit chapeau d'orteil. Alors c'est un concept suédois. Et en fait l'idée c'est, bah, en fait, c'est d'habiller ses pieds. Parce que souvent on les habille, on les couvre, on essaie de les masquer, de les cacher. Et aujourd'hui je dis non à ça, je dis habillez vos pieds. Et du coup aujourd'hui le concept c'est un petit chapeau de pied, voilà. Un chapeau d'orteil. Ça fait très mal un peu quand même quand ah on ouais tourne comme ça. Ouais. Et là? Ah mais arrête, mais oh voilà, après, j'ai perdu coup mon chapeau de pied. Et du coup il y a un chapeau de pied pour les pieds plus grands. Ah il y a tout qui revient. Donc défi Instagram, passez 24 heures comme ça. Avec un chapeau de pied. Un chapeau de pied. Les chats, regardez la carte du restaurant. C'est une carte ouais sur laquelle on peut appuyer pour faire le choix des boissons. Merci. C'est tactile. C'est trop cool. Je crois que j'ai cliqué sur cocktail bibou. Attends, je veux pas d'alcool. Deux hommes préhistoriques en train de découvrir la nourriture. Ah mais je sais même pas ce que c'est. Surprise. Ouais, non mais tellement mangé. Charbon. Ok les chats, du coup on sort du restaurant avec Groggy et Clem. Coucou. Avec qui on était? Et Bibou toujours là, mais bon à force vous le savez les gars, on a mangé des sushis. Restaurant délicieux, très abordable. Le mido. C'était trop bon et maintenant go to the bed. Wesh les chats, premier vrai jour à Cannes aujourd'hui puisqu'on est arrivé hier. Ça va Bibou? Oui, j'ai bien dormi, maintenant j'ai faim. Oh. Allez des œufs. Je crois qu'on va aller au petit déj les gars. On a une grosse journée qui nous attend et j'ai trop hâte de tout vous montrer, ça va être trop bien. Je suis désolée pour ma gueule de cul du réveil là les gars, c'est chaud, c'est violent. En vrai le matin Bibou j'ai une voix, on dirait j'ai bu la veille. Bref, on se retrouve au petit déj de suite. Qu'est-ce qu'il fait Juju? Eh bien j'ai mis mes petits fruits frais sur mes doigts, regarde mes petites fraises Bibou comme ça. J'ai dit fraise au lieu de framboise. T'as dit fraise, je crois. Oh là là. Ce matin, c'est dur. Hein. On est dans un super hôtel et madame, elle bouffe ses framboises sur les doigts. Bon, ça va. On reste naturel. Les tuches à l'hôtel, le retour. J'attends mon avocado toast avec des œufs dessus. J'ai trop hâte, les gars. Bon appétit. Tu es tombé une barre. Tu la ramasses. Ramasse, elle est là. Voilà. Oups. Petite dédicace des familles pour le fils du serveur des gros bisous de chat. Eh putain, le mec il me connaît par cœur. Les gros léchages de chat. Oh non, le pauvre Nils. On revient du petit déj les chats et maintenant qu'il fait beau, je peux vous montrer la vue qu'on a de la chambre de notre hôtel qui est absolument magnifique. Ok. Oh là là. Franchement, la mer, c'est incroyable. Regardez les gars, on a un petit pote. Coco petit pigeon. Enfin, je sais pas si c'est un pigeon. C'est un pigeon ça? Et Bibou, on a un petit pote. Et crapule. Oh, un corbeau. Mais c'est pas un corbeau. Et qu'est-ce que tu racontes? Visiblement, on a un locataire, les gars. On partage la chambre à trois. Est-ce que si je m'approche, il va s'en aller, vous pensez? Bonjour. Par pas. Non, va pas chez le voisin. Reviens, petit cuicui. Venez, on lui trouve un prénom, les gars. Oh non, il a fui. Il est parti de l'autre côté de l'hôtel. Regardez, on le voit voler. Oh là là. Regardez les chats, par qui est-ce qu'on est accueilli chez CrossFit Cannes? Bonjour, Evy. Coucou. Oh là là. Oh, elle a mis sa petite patoune. Je meurs. Oh, t'es trop belle. Je voudrais un shaker protéiné, s'il te plaît. Regardez les chats, la barre de squat toute rose. Si avec ça tu fais pas des PR. En vrai, le programme de la séance du jour va bien piquer, les gars. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Du coup les chats, on est sur une petite salade de pousses d'épinards ce midi avec un peu de tofu, des frites de patates douces qui sont juste énormes. Comme des pois. Oh mais non mais Bibou tout le temps.
excellent. Il y a des pois chiches, il y a du quinoa, il y a des aubergines. Bref, en plus la salade elle est vraiment bien garnie. Ok, tu parles trop. À moi. Et alors, moi j'ai fait une salade, c'est moi qui l'ai créée tout seul, alors que Juju elle a pris sur la carte. Mais t'es un bébé. Alors j'ai pris des pâtes avec du saumon, la tomate, des concombres, la salade et des pousses d'épinards. Allez, qui sont les loulous? Ok les chats, là on est en train de faire toute la préparation pour passer en direct sur M6 dans l'émission Tous en Cuisine. Donc vous pouvez voir, on a installé le téléphone. On a tout le plan de travail préparé pour cuisiner avec monsieur Cyril Lignac les chats. Et du coup c'est Juju et Flav qui nous ont prêté gentiment leur appartement pour faire le tournage et qui sont en train de nous faire une installation les gars. Là on est au top. Regardez-moi ça si c'est pas digne d'un studio. Et Bibou qui va faire à peu près n'importe quoi en cuisine devant des millions de téléphones. Spectateur. Non mais voilà, il va, ça va être le commis, mais le pire commis en cuisine si de l'univers. Tu veux, je mets un masque de Thibaut. Non mais, oh, mais Bibou, fais ça. En vrai, une photo de ta tête et donne-la à Julie. Non mais en vrai, à un moment donné, faut faire les choses bien quoi. C'est parti, on danse, allez, on danse. Ramène la banane ici. C'est parti là. Travail d'équipe. On a perdu une banane. Il faut que tu sois ta chance avant qu'elle passe. Banane, si tu cherches un truc pour bouger la glace. Banana. C'est le dessert que sera l'abominable homme des neiges. À l'abominable enfant du nez. Dans l'amour ou le flac. Banana bread. Faut faire un peu de muscu, attendre 10 ans et après c'est bon. À 10 ans. C'est un petit peu long. Bah pas encore malheureusement, on espère un jour. Hé, hey, regarde. Battle de biceps. Hé, hey, moi aussi hein. Vas-y Juju, montre lui. Bam. Ouais, la vache. Vas-y. Oh non. Merde. Oh putain. Ce sketch. Trop beau. Là c'est pas cuit du tout. Ah, ouais. Les gars, on est sur une fin de tournage en direct sur M6. On a défoncé, mais genre défoncé la cuisine de Flav et Juju. Mais regardez-moi ces petits pains. Oh, je suis désolée. Vous sortez. Bon. Attends, d'abord tu fais la vaisselle. Alors d'abord tu fais la vaisselle, après tu sors en meuf en fait. Les chats, du coup, ce soir, c'est le petit repas de Cyril Lignac. Et regardez un peu, je me fais pervertir. Je viens chez Juju et je bois du vin, quoi. Les aventures de Bibou. Yes. Les aventures de Bibou. Les aventures de Bibou le bisou. C'est bon, franchement. Voilà comment défoncer le tapis de Juju. Non. Merci Thibaut, on est content. Heureusement qu'on n'a pas de chat du coup. Non mais attends, à la spatule ce sketch. Franchement, il n'y a rien. On dirait que vous êtes en train de ramasser une litière. Hein. Genre vraiment. Yo les chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si j'ai la voix grave, il y a peut-être une raison. J'avoue, j'ai bu un peu de vin hier. Mais il était très très bon et c'est Juju, elle m'a dit goûte le vin, il est trop bon. Bref, on se réveille, je suis déjà habillée, il est 7h. Genre, qui en vacances se réveille à 7h à part nous? Personne. Wouh, c'est parti pour la journée. Wouh. Ah oh, putain, sérieusement les gars. Bon, on va aller au petit déjeuner hein, parce qu'après il va falloir aller s'entraîner. J'ai trop mal au cul de la séance d'hier avec Ornella. Oh Biba. Non, pas une autre fois. Allez, peur. Mais non. Ok. Du coup, on va aller prendre un petit déj. Je vais goûter autre chose là, vu que le petit déj est hyper cool à l'hôtel. Et on se retrouve au petit déj ou à l'entraînement ou quelque part. Et cet après-midi, les gars, on a un programme trop bien. J'ai tellement hâte de vous montrer les invités avec qui on va être. Enfin, plutôt, c'est nous qui allons être invités chez eux d'ailleurs. Je suis sûre déjà dans les commentaires, vous pouvez deviner qui on va aller voir. Il s'agit d'un homme et d'une femme. J'ai trop hâte. Salut toi. Oh, mais tu me saoules. Regardez-moi ça, l'agence de restaurant, il est trop beau. Mais la plus belle chose qu'il y a dans ce restaurant, c'est ce jus d'orange. Franchement, il est trop stylé. Vous avez vu ça? If I die today, if I
It's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the fight that I pray, that's my fucking way. Ok les chats, on a récupéré à manger avec Bibou. Là on a trouvé un petit resto healthy qui fait du à emporter. Ça s'appelle Nova sur Cannes. Il y a des options VG, vegan et tout, c'est hyper cool. Moi mon kiff à chaque fois qu'on part dans une ville avec Thibaut, c'est tout le temps de trouver des petites pépites au niveau des restos pour manger vraiment dans des endroits cool. Et là on va manger dans la voiture, donc mission, je mange, ensuite je nourris Bibaou juste ici. Et après ben, on arrivera à notre destination du jour. J'ai pas envie de vous dire tout de suite où est-ce qu'on va, mais j'ai trop hâte de vous montrer les personnes qu'on va retrouver, même si je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui ont déjà leur petite idée les gars. Du coup là les chats, j'ai une salade de chou kale avec plein de trucs dedans. Là j'ai des choux-fleurs rôtis et même un peu crispy. Et là j'ai des lasagnes végétariennes. J'espère vraiment que ça va être bon, parce qu'à la base je déteste la béchamel. Et la nana m'a dit non mais je vous jure, elles sont vraiment ouf. Donc si c'est pas bon les gars, je suis deg. Et là la mission, comme vous le voyez, ça bouge de ouf. C'est de pas tout renverser sur mes jambes pendant le trajet à Bibaou. Oh, pardon. Parce que si je me tâche, on est foutu les gars. Il y a une turbulence. Isée la danse du bâtiment, la danse du hall d'entrée. Oh oui oui, vas-y, faut se déhancher, se déhancher, se déhancher. Ouais 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 ouais, c'est la danse du hall d'entrée. Allez Bibou, vas-y Bibou, remue ton boule. Comme ça, un peu par là. Ok, vas-y 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 vas-y. Il se chauffe, il se chauffe, il se chauffe. Ça y est, ok ok, c'est bon. Les petits chats, en vrai, t'as pété. T'as pété dégueu. Bonjour, bonjour. Y'a quelqu'un? Je sais pas, c'est quel appart. Bonjour. C'est là, tu crois? En fait, à tout moment, c'est pas le bon immeuble. Non? Je sais pas. Roxane, Loïc. Vite, vite. Les salons, ils... Non. Non. Coucou. Alors comme ça, comme ça on est plus assez cool pour venir chez vous, c'est ça? Voilà Bibou qui fait sa miniature YouTube dans le studio de Roxane. Il n'y a plus aucune cohérence pour une vidéo. Réaction. Attends. Ok, je vois ça. Vas-y Bibou, montre-nous comment tu réagis. Oh. Les pires fails. Oh putain, j'en peux plus. Bon, vous l'aurez deviné les chats, on est dans le studio de Rax. Pour tourner une vidéo YouTube aujourd'hui. Oh, gymnase la meuf un peu. Yeah. Le vrai Ninou à la préparation de la miniature. Non mais Bibou, tu te rends compte quand même? J'ai des assistants. Non mais ça va toi, clair, quoi. Le mec sérieux arrive. On a tout préparé pour le tournage. Il nous nique tout pour une vidéo. Et du coup pour la chaîne de Rox, on va préparer un clafoutis les gars, le dessert de mon enfance. Les chats, vous voyez peut-être pas grand chose, mais on a cuisiné un clafoutis aux pommes avec Rox sur sa chaîne YouTube. Vous allez surkiffer la vidéo. D'ailleurs elle est peut-être déjà sortie. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en description et vous irez checker la vidéo sur la chaîne. Mais ça sent trop bon dans la cuisine et la vidéo est très très cool les gars. Les gars, je crois que le clafoutis Rox, clafoutis de compète Rox, là je crois que tu as mais géré. Regardez-moi cette folie. C'est pas mal. Putain, on est part hein. Attends, je trouve qu'on fait un bon binôme en cuisine. Mais ouais hein, tu vois, on arrive à parler et à travailler en même temps. On est des femmes quoi, on est efficaces. On a mis 1h30 à faire un clafoutis. Ouais bon. Mais alors les ninos, on est en pause repas. Ah ouais, c'est la pause là. Oh putain, j'ai eu un gros zoom sur ta tête en train de manger la part. Elle l'a défoncé. Il reste plus rien. C'est cool, c'est quand même. Non, et Loïc, lui, il s'est dit. Non, lui, c'est dans le plat. Quoi. Dans le plat, c'est toujours meilleur. Mais tu sais, c'est pour pas salir une assiette que j'ai fait ça. Et ça, c'est écolo, ça. Ah. Tu vois, ça. Je pense à la nature. Non, mais c'est bien. C'est tout ce qu'on voulait entendre. Merci, Juju. Oh, ça se recette. Ah non, mais je vais prendre 10 kilos là. Ça finit les parts de Loïc. Ok, les chats, on est sur une fin de tournage. Bon, comme je sais pas trop où est-ce qu'ils ont traîné, je garde le masque. Jamais. Ah, moi je suis comme ça. Ah, ça accuse, ça accuse. Non, en vrai, félicitations. On est quand même sur une après-midi entière de tournage. Exactement. On a envoyé 3 vidéos YouTube, les gars. Quasiment 8 heures de tournage. 2 heures, 2 bonnes heures. Non, on a tourné 1 heure, les gars. Oh non, mais ça m'a jamais marre des conneries. Hein. Nous dénigrons pas comme ça, on a bossé. On a bossé maintenant, on va manger. Elle est folle. Ah, mais mon dieu, les flemmes. Les chats, on rentre de notre après-midi tournage avec Rox et Loïc. C'était trop cool, non, on est éclaté. Donc là, on va aller se trouver un petit resto pour manger tranquillou. Oui. Et ensuite, miam, miam. Gros dodo. Les chats, aujourd'hui, je vous retrouve dans le vent en direct de la boxe de CrossFit de Mademoiselle Kay.
c'est juste ici. Et on va faire les fesses et les jambes. Et un peu comme tous les jours en fait depuis le début de cette semaine. J'en veux plus, je ne sens plus mon bas du corps. Mon bas du corps va bientôt fuir. I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impact. Past painful scars. In fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions. Fact don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose. Cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Allez, 8, tu finis. J'ai vu que la 8 elle est chaude. Ah ouais. Ok Juju, qu'est-ce qu'il y a au menu? Une salade quinoa lentilles corail avec des petits falafels de pois chiches coriandre, de l'avocat, des concombres, des tomates. Bref, plein de trucs hyper bons à manger les gars. Bon. Trop cool, comment il s'appelle le resto? C'est le restaurant La Plage Mademoiselle Gré sur la plage de Cannes. Comme dans le film, non, Gré? Ouais, non, alors on n'est pas tout à fait sur le même délire de restaurant, mais bon. Est-ce que du coup pour le dessert, on va faire comme dans le film? Tu te calmes. Les chats, il y a une mouette, elle est venue à table pour manger. Elle est cool, mais sérieux? Elle a gobé la pomme de terre. Bah ok, mais ça fait déjà 3 bougies qu'elle prend. Non mais ça va, toutes les mouettes ont pas la même vie. Hein. Dernier petit déjeuner à l'hôtel, les gars. Oh, ils sont adorables. Ils nous ont ramené du jus de litchi goyave citron frais parce que Thibaut adore le jus de goyave et ils en avaient pas. Et là, tu te dis que quand on t'amène une table à côté, c'est que tu manges un peu trop quand même. Regardez-moi ça, les chats, ce matin, on est gâtés. Ils ont carrément fait le logo de Bibou à l'hôtel et des petits muffins de légumes. Petits avocats de toast. Là, je crois qu'on a des porridge et tout qui arrive. Ah, bah, là, on va exploser. Non, mais Bibou, je sais pas comment on va manger. Ça en vrai. On va rouler aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on s'est servi avant? Et les petits œufs brouillés. Ok Bibou, vas-y quand tu veux. As pussy. Nanana. Make a nan. It's a wrap. Pfff. Mais sérieux, il avait pété les chaussons de l'hôtel quoi. On crie un peu fort quand même à 7h du matin. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. I'm low key like the mo jig 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 jig. I'm low key like the mo jig jig jig. I'm low key like the mo jig jig jig. I'm low key like the mo jig jig jig. I'm low key like the mo jig jig jig. I will not sit up in the nosebleeds. I will not stop until they know me. I want you all to listen. Okay. Bien. Yo les chats, je vous retrouve avec Juju ici présente, Bibou derrière, Flav juste ici, aux commandes du bateau ou pas? Ouais, vite fait. On est en sortie bateau là, aux alentours de Cannes, Nice. Trop cool les chats, regardez comment c'est trop bien. On va aller dans un bar d'attraction un peu. Disneyland. Grave, dans le monde des pirates. Mais oui, c'est ça. Improbable, sur le rocher juste ici, il y a Nelia et Gracie qui sont en train de faire des photos. On se balade en bateau, il n'y avait aucune chance qu'on tombe sur elles. Que j'étais tranquillement en train de faire la meuf. Un bateau, wesh. Avec Julie, Thibaut, Julie. On s'est garé juste là avec le bateau. Et là, on est dans une petite crique. Trop mignon. Là, il y a 12 février. Et là, c'est Flav, ils sont copains. Ils sont ensemble, ils sont amoureux. Ça fait bientôt un an qu'ils sont ensemble. Coucou, les amoureux. Arrête. Et là, c'est Justine. Je sors avec elle. Un petit peu, de temps en temps, ça dépend. Ça dépend de mon humeur. Regardez, les gens. Juju, elle conduit le bateau. Ah putain, femme au volant, femme. Femme heureuse. Ça va, t'arrives, Ju? Bah oui, bah fais-moi confiance, hein. Moi, j'ai pas raté mon permis 3 fois. Et c'est cool.
Ça y est, les chats, il est 7h du matin. Non, il est 5h. Ah ouais, 5h, désolé, Vivao. Et je voulais juste vous dire un petit truc. Quand vous quittez une chambre d'hôtel, c'est cool en vrai de pas la laisser en bordel. Parce que bah, c'est pas très cool, je trouve, pour les gens qui passent après pour nettoyer la chambre. Nous, à chaque fois, on essaye de ranger le mieux possible pour que les personnes qui viennent derrière bah, aient pas grand chose à nettoyer et que ce soit pas dégueulasse, quoi. À un moment donné, juste un minimum de respect. Et voilà, les chats. J'espère que cette petite vidéo de nos vacances, ce petit vlog vous aura permis de vous évader un petit peu, de penser à autre chose. C'était un pur kiff pour moi de vous partager nos petits moments à nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout, n'oubliez pas qu'un feed 4 tombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Coucou. Bah alors ma bébé, t'as kiffé la vidéo toi? T'as kiffé la vidéo Ouh, un petit léchage de pâte. Est-ce qu'elle était bien cette petite vidéo d'amour? Moi c'est mon petit tigre ça, c'est la bébé.